Le port artisanal de Boulbinet est un véritable bazar où différentes personnes y gagnent leur vie. Cet endroit ne tarit jamais de monde. Chacun vient chercher le minimum ici pour se nourrir et nourrir les siens. La vie au port de Boulbinet est rythmée par l'aller-retour des pirogues qui débarquent les produits halieutiques et les insulaires des îles de l'Os. Les poissons pêchés sont vendus par les femmes qui les étalent sur des tabourets en attendant l'arrivée des clients. Tout a l'air parfait à l'intérieur de ce débarcadère artisanal, mais il y a une toute autre réalité qui saute aux yeux des simples visiteurs. Il s'agit de la face sombre de l'iceberg du port de Boulbinet. Plusieurs adolescents y travaillent comme transporteurs de caisses de poissons. On les appelle des lingomani. Ces jeunes sont les parents pauvres du secteur de la pêche. Leur vie est une véritable misère. Ils dorment sous des bâches dans l'inconfort le plus absolu. Ce sont eux qui ont la charge de surveiller les pirogues la nuit. Et bah, tout le monde a vécu fait mon roi, il a logé, il m'a balancé, il n'a pas quitté. Il a mis Ma bangina kingi ma bena, ni ma bena biri. Soba. Na biri na ba ma bena. Soba. Ma bangina. Isa ba, Isa. Aite mba. Iri ma ikina Isa nye tande ma. Aku eba kuntang, bo bangi bo rilam feki. Lain deno ma kide kili, ikan kie ma hona fi. Alima uri galambuwe, ure mulang nivu. Mohamed Lamine Keïta et ses amis galériens vivent dans ces conditions indescriptibles. Il a bien ça fait combien de temps?
Ousmane Sylla est l'un des grands de la bande. C'est lui qui s'occupe de la cuisine. Cet après-midi, les garçons ont fait une collecte qui les a permis d'acheter 1 kg de riz. Arabi. Les jeunes transporteurs des caisses de poissons au port artisanal de Boulbinet ne savent à quel sein se vouer. Ils se sentent oubliés par l'État et leurs familles.